Bonjour à toutes et à tous. Petite info sur Activision. Il n'y aura pas de jeu dans le Game Pass cette année. Ce sera pour 2024. Avec le rachat d'Activision Blizzard King, Xbox a maintenant 42 ou 43 franchises en plus. Ce qui est toujours intéressant. Même si les jeux sont plutôt vieillissants, il y a encore quelques licences intéressantes. En plus, ils ont acquis 12 studios supplémentaires qui fera du bien au Game Pass, j'en suis sûr. Bien sûr, toutes les infos sont dans la description. Vous pouvez voir les licences qui ont été acquises et les studios. Pour le Game Pass octobre, je vous ai mis deux trailers car le reste est sur l'autre vidéo. Je vous mettrai le lien en description. Alors, les ajouts pour ce mois d'octobre sont F1 Manager 2023, Dice Space. Bon, il était déjà dans le Game Pass, il a été retiré il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises. Il y a du gameplay, je vous mettrai le lien dans la description. Et Frog Detective, on verra ce que ça donne, je ne connais pas. Pour Cities Skylines 2, ils ont déjà annoncé qu'il y aurait des problèmes dès le lancement pour les joueurs PC. Car il ne sort que sur PC pour l'instant et a été repoussé sur console. Faites attention. The competition is certainly tense at the front with both cars neck and neck. Will we see a change for the lead?